Sempre caro mi fu quest'ermocolle, e questa cipe c'è da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi, e profondissima quiete lo nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E com'è il vento, odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva, e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Soir minuit 3, minutes et 35 secondes sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Vous avez entendu en ouverture le poème intitulé, ou le texte intitulé L'Infinito de Giacomo Leopardi. Une fois n'est pas coutume, je lis un texte en italien. D'ici une minute, je vais lire un extrait. Interpréter un extrait d'une pièce qui est passée récemment au théâtre de Poche, La Pensée, de Leonid Andreev, écrite en 1902, traduite et adaptée par Olivier Vernard, en collaboration pour la traduction avec Galina Mikovic. Il s'agit d'une pièce de théâtre type déclamation, en ce sens que le comédien parle au public qui représente un collège d'experts. Le personnage est un assassin qui a tué son meilleur ami, pour ainsi dire, et s'est fait passer pour fou au procès, mais maintenant essaye de se faire libérer. A tout de suite donc pour cet extrait de pièce de théâtre. Mon père était très intelligent et très talentueux. Ses discours à la cour faisaient pleurer non seulement les dames nerveuses,
mais aussi les gens sérieux, les gens équilibrés. J'étais le seul à ne pas pleurer en l'écoutant, car je le connaissais, et je savais qu'il ne comprenait rien à tout ce qu'il disait. Il était très cultivé, plein d'idées, de mots, et ces mots, ses idées et ses connaissances se combinaient d'une manière appropriée la plupart du temps, même s'il ne comprenait rien. J'ai souvent douté de son existence, tant il était en dehors, dans ses bruits, ses gestes. Et j'avais l'impression que ce n'était pas un homme, mais une image cinématographique clignotante reliée à un gramophone. Avec ces mots, il gagnait 30 000 roubles par an et jamais il ne s'en est étonné. Il était avocat. Il me considérait vraiment comme un jeune homme stupide et regardait avec terreur ce qu'il prenait chez moi pour de l'impuissance. Il disait « Ah là là, Anton, Anton, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je répondais « Ne vous inquiétez pas pour moi, mon petit papa. Comme je n'ai pas de talent, je vais tuer Rothschild ou dévaliser une banque. » Il se fâchait, car il prenait mes réponses pour des plaisanteries déplacées et insignifiantes. Il voyait mon visage, il entendait ma voix, mais il prenait cela pour des plaisanteries. Ma façon de vivre l'indignait. Elle était hors du champ de sa compréhension. J'étais bon élève et cela le chagrinait. Quand nous avions des invités, des avocats, des hommes de lettres, des peintres, il montrait du doigt et il disait « Dire que mon fils est premier de classe, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter la colère divine ?» Et tout le monde se moquait de moi, et moi je me moquais de tout le monde. Mais ce qui m'attristait le plus encore que ma réussite scolaire, c'était mon attitude et ma façon de m'habiller. Ma coiffure impeccable lui coupait l'appétit. Je lui disais « Le proviseur ordonne d'avoir les cheveux coupés courts. » Il jurait, et moi je tremblais d'un rire méprisant. Le pire, pour mon père, c'était mes cahiers. Un jour qu'il était ivre, il s'est mis à les regarder avec une détresse comique, désespérée. Cela t'est arrivé une fois de faire une tâche ? Oui, cela m'est arrivé, mon petit papa. L'autre jour, j'ai fait une tâche sur mon cahier de trigonométrie. Tu l'as léché ? Comment ça, léché ? Ah ben oui, tu as léché la tâche. Non, je l'ai épongé avec un buvard. Il m'a repoussé d'un geste de la main en se levant, et en se levant, il m'a dit « Non, tu n'es pas mon fils. Non, non !» Il avait un cahier, pourtant, qui aurait pu lui faire plaisir. Dedans, il n'y avait pas une ligne de travers, ni une tache d'encre, ni une rature. On pouvait y lire à peu près ceci. Mon père est un ivrogne, un voleur et un lâche. Suivez quelques détails que je n'estime pas nécessaire de relater, tant pour la mémoire de mon père que par respect pour la loi. Ce temps heureux, comme il est loin. Cela m'angoisse de penser que j'ai pu vivre toute ma vie dans l'erreur comme mon père le croyait. Que toute ma vie, j'ai été fou comme cet acteur dément que j'ai vu il y a quelques jours dans la chambre voisine. Il ramassait un peu partout des petits papiers bleus et rouges et il les appelait des millions. Il en demandait à tous les visiteurs. Il les volait et il les rapportait des toilettes. Les gardiens se moquaient de lui et il les méprisait sincèrement, profondément. Je lui ai plu et en me quittant, il m'a donné 1 million. Il m'a dit « C'est un petit million, vous m'excuserez, mais j'ai de telles dépenses en ce moment, de telles dépenses. » Et en m'entraînant à l'écart, il m'a expliqué « Là, je suis en train de m'intéresser à l'Italie. Je veux chasser le pape et y introduire une nouvelle monnaie, celle-ci. Après quoi, dimanche, je me proclamerai saint. » Les Italiens seront contents. Ils sont toujours contents, très contents,
quand on leur donne un nouveau sein. Est-ce que moi non plus, je n'ai pas vécu avec un million de ce genre? Cela m'angoisse de penser que mes livres, mes compagnons, mes amis sont toujours là, seuls, sur leurs étagères. Ils veillent en silence sur tout ce que je considère être la sagesse de la terre, son espoir, son bonheur. Que je sois fou ou non, je sais que, de votre point de vue, je suis un salaud, messieurs les experts. Et si vous pouviez voir ce salaud quand il entre dans sa bibliothèque? Allez-y donc, examinez mon appartement. Pour vous, ce sera très intéressant. Dans les tiroirs de gauche, en haut de mon bureau, vous trouverez le catalogue de mes livres, de mes tableaux et de mes bibelots. Vous y trouverez également les clés de mes armoires. En tant qu'homme de science, je suis sûr que vous traiterez mes affaires avec respect et avec soin. Je vous demande aussi de veiller à ce que les lampes ne fument pas. Il n'y a rien de pire que cette suie qui s'est mise partout. Il est très difficile de l'enlever par la suite. Vous venez d'entendre un extrait de la pièce de théâtre « La pensée », écrit en avril 1902 par Léonid Andreïev, et qui donc, je répète, qui est passé au Théâtre de Poche il y a quelques semaines, traduit et adapté et interprété par Olivier Werner, un comédien français, que je salue. Et la traduction était assistée par Galina Mikovic, car il a entièrement refait sa propre traduction par rapport à l'œuvre originale, qui était déjà traduite, mais d'un français qui n'était pas proche de la sémantique originale russe. Au sujet du jeu d'acteur, de l'interprétation de personnages, Olivier Werner affectionne particulièrement ce texte
extrait de Par les villages de Peter Hanke, que je vais vous lire. Joue le jeu, menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrière-pensées. Ne tais rien. Sois doux et fort. Sois malin, interviens et méprise la victoire. N'observe pas, n'examine pas, mais reste prêt pour les signes, vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux, entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. Ne néglige la voix d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus. Penche-toi sur les détails, pars où il n'y a personne. Fous-toi du drame, du destin, dédaigne le malheur. Apaise le conflit de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit et que le bruit de feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Donc ce texte est une philosophie de vie, mais pour moi, en ce qui me concerne, c'est aussi un conseil pour les acteurs, les comédiens, et tous ceux qui interprètent, qui font de l'art dramatique. Je vais enchaîner avec la lecture d'un passage, d'un extrait donc, du Silmarillion de Tolkien, donc, qui est le livre chronologiquement avant Le Seigneur des Anneaux. Et donc je vais vous en lire une douzaine de pages. Les humains virent ces voiles surgir du couchant. Teinte d'écarlate. Et rehaussée d'or et de vermillon, la peur prit ceux qui vivaient sur les côtés et ils s'enfuirent au loin. La flotte arriva en vue d'Umbar, le plus grand port jamais construit. Par les Numénoréens, et toutes les terres alentour étaient vides et silencieuses. Le roi de la mer s'avança sur les terres du milieu, bannières et trompettes en tête, et le septième jour il trouva une colline, où il monta pour installer sa tente et son trône. Il se mit sur son trône au milieu du pays, les tentes de son armée rangées autour de lui, bleues, or et blanches, comme une forêt de hautes tours. Puis il envoya ses héros ordonner à Sauron de paraître devant lui et lui jurer fidélité. Et Sauron vint. Il descendit de sa haute tour de Barad-dûr et vint sans offrir la bataille, car il avait compris que la puissance et la majesté du roi de la mer surpassaient tout ce qu'on en disait et qu'il ne pouvait même pas se fier à ses meilleurs serviteurs pour s'y opposer. Pour lui, l'heure n'était pas venue de mesurer sa volonté à celle de Dunedin. Or, il était adroit, plein de subtilité, sachant bien obtenir par ruse ce que la force ne lui donnait pas. Alors il s'humilia devant Ar-Pharazôn et courba son langage tant que les humains s'étonnèrent de sa sagesse et de sa loyauté. Mais Ar-Pharazôn ne s'y trompa pas
Et il lui vint l'esprit que ce rond et ses serments de fidélité seraient d'autant mieux gardés s'il était conduit à Numénor pour y être l'otage de lui-même comme de tous ses vassaux sur les terres du milieu. Sauron répondit à cela, comme s'il était contraint d'accepter, alors qu'il se réjouissait en secret d'un plan qui faisait écho à son désir. Sauron donc traversa la mer et put voir le pays de Numénor et la cité d'Arménélos au jour de sa gloire. Il en fut stupéfié et son cœur se gonfla d'envie de haine. Son langage et son esprit étaient si rusés, sa volonté si forte et si bien cachée, qu'avant 3 ans, il partagea les conseils les plus secrets du roi, car sa langue était toujours enduite du miel, de la flatterie, et il savait beaucoup de choses qui n'avaient pas encore été révélées aux humains. Voyant quelle faveur il était auprès de leur seigneur, tous les conseillers courbèrent l'échine devant lui, hormis un seul, Amandil, le prince d'Adunir. Lentement, le pays se mit à changer. Les cœurs des amis des elfes furent gravement troublés et la peur en fit partir beaucoup. Ceux qui restaient s'appelaient toujours les fidèles, mais leurs ennemis les appelaient les rebelles, car Sauron avait désormais l'oreille des humains et il contredisait tout ce que leur avaient enseigné les Valar. Il leur fit croire qu'il y avait dans le monde, à l'est comme à l'ouest, des mers et des terres sans nombre ouvertes à leur conquête et pleines d'innombrables richesses. Et si même ils arrivaient au bout de ces terres et de ces mers, il y avait au-delà la nuit originelle. C'est d'elle que le monde a été créé. Seule la nuit doit être révérée, et son roi pourra bien encore créer d'autres mondes pour les donner à ceux qui l'auront servi, et leur puissance pourra grandir sans fin. Ar-Pharathôn demanda, « Qui est le roi de la nuit ?» Sauron le dit au roi, à l'abri des portes verrouillées, et il lui mentit. « C'est celui dont on parle maintenant. Les Valar vous ont trompé sur lui en mettant en avant le nom d'Eru. » Un fantôme né de leur folie pour enchaîner les hommes à être leurs esclaves. Ce sont eux l'oracle des rues. Il ne dit que ce qu'ils veulent. Mais leur vrai maître l'emportera et vous délivrera de ce fantôme. Son nom est Melkor, seigneur du tout, le libérateur et celui qui vous rendra plus fort que les Valar. Alors, le roi Ar-Pharathôn se tourna vers l'adoration du ténébreux du seigneur Melkor, d'abord en secret, puis ouvertement et devant son peuple dont le plus grand nombre le suivit. Il restait encore des fidèles, comme on l'a dit, à Romenna et dans les environs, et quelques-uns disséminés dans le pays. Leur chef, celui dont ils attendaient qu'il leur donnât courage et conseil, était Amandil, un conseiller du roi, son fils Elendil, lequel avait 2 fils, Isildur et Anarion, qui pour Numénor étaient encore des jeunes gens. Amandil et Elendil étaient de grands navigateurs de la lignée d'Elros d'Arminiatur, mais non de la maison à qui revenait le trône et la couronne d'Armanelos. Quand ils étaient jeunes, Pharathôn avait bien aimé Amandil et le garda à son conseil jusqu'à la venue de Sauron, bien qu'il fût ami des elfes. Il fut donc renvoyé, puisque Sauron le haïssait plus qu'aucun autre Numénoréen. Mais il était si noble et si grand capitaine que beaucoup le tenaient en grand honneur et que ni le roi ni Sauron n'osaient encore porter la main sur lui. Amandil se retira à Romenna et fit venir en secret tous ceux qui pensaient être encore fidèles, craignant que le mal ne dressât la tête et que les amis des elfes ne courussent un grand danger. Ce qui arriva bientôt. En ce temps, le Menel Tarma était complètement déserté. Sauron n'osait pas encore profaner le lieu béni, mais le roi interdisait d'y monter sous peine de mort, même aux fidèles qui adoraient encore Ilúvatar. Sauron pressa le roi d'abattre l'arbre blanc, le beau Nimloth, qui poussait dans son jardin, puisque c'était un souvenir des Eldar
et de la lumière de Valinor. Au début, le roi refusa, croyant encore que la fortune de sa maison était liée à celle de l'arbre, comme l'avait prédit Tar-Palantir. Dans sa folie, celui qui maintenant haïssait les Eldar et les Valar se raccrochait vainement à l'ombre de l'ancienne allégeance de Numenor. Quand Amandil apprit les intentions perfides de Sauron, il en fut blessé au cœur, sachant qu'en fin de compte Sauron en ferait à sa guise. Il alla parler à Elendil et à ses fils. Leur raconta l'histoire des arbres de Valinor et Isildur, sans rien dire, sortit dans la nuit et accomplit un exploit qui lui valut plus tard la renommée. Il entra seul, déguisé, à Arménélos, pénétra dans le jardin du roi interdit aux fidèles. Il alla jusqu'à l'arbre dont personne ne devait s'approcher sur ordre de Sauron et qui était gardé nuit et jour par ses serviteurs. Nimloth ne brillait pas, il ne portait aucune fleur, car c'était la fin de l'automne et l'hiver s'approchait. Isildur évita les gardes, prit un fruit qui pendait et voulut repartir. Mais les gardes alertés l'attaquèrent et il dut se frayer un chemin à coups d'épée en recevant plusieurs blessures. Son déguisement fit qu'on ignora qu'il avait porté la main sur l'arbre. Mais c'est à peine s'il put revenir à Roména et déposer le fruit dans les mains de son père avant que ses forces ne l'abandonnent. Le fruit fut planté en secret, béni par Amandil, et une pousse s'éleva qui grandit au printemps. Et quand s'ouvrit la première feuille, Isildur, qui était resté longtemps couché sur le seuil de la mort, se leva et oublia ses blessures. Ce ne fut pas trop tôt, car peu après, le roi céda à Sauron. Il abattit l'arbre blanc et abandonna complètement l'allégeance de ses pères. Ensuite, Sauron fit construire, sur la colline qui était au centre d'Armanelos, la Vermeille, un gigantesque temple. Il était circulaire, les murs épais de 50 pieds, le diamètre de 500 pieds. Les murs s'élevaient à 500 pieds au-dessus du sol, surmontés d'une énorme coupole. Ce dôme était entièrement couvert d'argent et miroitait le soleil si bien qu'on le voyait de très loin. Bientôt sa lueur s'éteignit et l'argent se noircit, car il y avait au milieu du temple un autel et un feu, et au milieu du dôme un trou d'où sortait une épaisse fumée. Sauron fit le premier feu avec les branches de Nimloth qui crépitèrent en se consumant, et les hommes furent frappés par la puanteur qui en sortit. Un nuage pesa pendant 7 jours sur le pays avant de glisser lentement vers l'ouest. Ensuite, le feu et la fumée ne cessèrent plus. Le pouvoir de Sauron grandissait chaque jour, et les hommes venaient au temple faire des sacrifices à Melkor dans le sang, la torture et la plus grande cruauté pour qu'il les délivrât de la mort. Ils choisissaient le plus souvent leurs victimes parmi les fidèles, sans jamais les accuser ouvertement de ne pas adorer Melkor le Libérateur, mais en leur faisant le grief de haïr le roi, de se révolter contre lui, de conspirer contre sa maison, d'inventer calomnie et poison. Ces accusations étaient presque toujours fausses, mais l'époque était féroce et la haine fait naître la haine. La mort, pour autant, ne quitta pas le pays. Elle vint au contraire plus tôt et plus souvent, sous des masques terribles. Avant, les hommes avaient vieilli lentement et à la fin, quand ils étaient las du monde, s'étaient couchés pour s'endormir, alors que maintenant la maladie et la folie se jetaient sur eux. Ils restaient pourtant terrifiés par la mort et la nuit, le royaume du Dieu qu'ils s'étaient choisi, et ils se maudissaient les uns les autres dans leur agonie. En ce temps, des hommes prirent les armes, et ils en tuèrent d'autres pour des causes futiles, et ils devinrent prompts à la colère. Sauron et ceux qu'ils s'étaient attachés parcouraient le pays en dressant les uns contre les autres, de sorte que le peuple murmurait contre le roi
et les princes, ou contre celui qui possédait ce qu'il n'avait pas, et les puissants se vengeaient cruellement. Néanmoins, les Numinoréens crurent longtemps que leur peuple prospérait, qu'ils devenaient plus forts, sinon plus heureux, et que les riches étaient encore plus riches. Car ils multipliaient leurs biens grâce à l'aide et au conseil de Sauron. Ils inventaient des machines et construisaient des navires toujours plus grands. C'est couverts d'armes qu'ils allaient désormais sur les terres du milieu, non plus avec des offrandes ni même en maîtres, mais comme des guerriers impitoyables. Ils chassaient les humains, prenaient leurs biens, les réduisaient en esclavage et en sacrifiaient beaucoup sur leurs autels. Car ils avaient bâti des temples et de grands tombeaux dans les forteresses. Les hommes les redoutaient. Le souvenir des rois bienveillants de jadis s'évanouit et le monde fut assombri par d'innombrables récits de terreur. Ainsi, Ar-Pharazôn, roi du pays de l'étoile, devint le plus grand tyran que le monde ait connu depuis le règne de Morgoth, bien qu'en vérité ce fut Sauron qui dirigea tout derrière le trône. Puis les années passèrent, le roi sentit l'ombre de la mort se rapprocher, ses journées s'allongèrent et il fut pris de peur et de colère. C'était le moment qu'attendait Sauron et il lui dit que sa puissance était maintenant si grande que sa volonté serait obéie en toutes choses et que nul ne pourrait s'y opposer. Et il lui dit: les Valar se sont emparés du pays où la mort n'existe pas, et ils vous mentent là-dessus. Ils le cachent du mieux qu'ils le peuvent, à cause de leur avarice, et de peur que le roi des hommes ne leur enlève le royaume immortel et gouverne le monde à leur place. Et bien que, sans aucun doute, le droit à une vie sans fin ne soit pas destiné à tous, mais à ceux seuls qui en sont dignes, hommes de grand pouvoir, de haute fierté et de noble descendance, c'est contre toute justice que ce don est refusé, à qui il revient de droit, le roi des rois, Ar-Pharazôn, le plus puissant des enfants de la terre, à qui seul Manwë peut être comparé, et encore. Mais les grands rois ne souffrant pas de refus, ils prennent leur dû. Ar-Pharazôn, devenu imbécile et déjà sous l'ombre de la mort, sa vie approchant de son terme, écouta Sauron et réfléchit en lui-même comment il pourra faire la guerre aux Valar. Il mit longtemps à dresser ses plans et n'en discuta pas ouvertement, mais c'était impossible de les cacher à tous. Amandil se rendit compte des intentions du roi et eut grand peur, car il savait que les humains ne pouvait vaincre les Valar, que la ruine s'abattrait sur le monde si cette guerre n'était pas empêchée. Alors il appela son fils Elendil et lui dit: l'époque est sombre, l'espoir a déserté les hommes et les fidèles sont rares. Je suis donc tenté de suivre la course que prit autrefois notre grand-père et Arendil. Aller à l'ouest, interdit ou non, m'adresser aux Valar, à Manwë lui-même, s'il se peut, et demander leur aide avant que tout ne soit perdu. Vas-tu donc trahir le roi ? Dit Elendil. Tu sais bien ce dont il nous accuse, d'être des traîtres et des espions, et c'était faux jusqu'à aujourd'hui. Si je croyais que Manwë a besoin de pareils messagers, répondit Amandil, je trahirais le roi. Car il n'y a qu'une loyauté, une seule, à laquelle en aucun cas un homme ne peut se dérober. Mais c'est par pitié envers les hommes et pour les délivrer que te sauront que j'irai plaider, puisque quelques-uns du moins sont demeurés fidèles. Quant à l'interdit, j'en subirai moi-même la peine, et nul de mon peuple n'en sera tenu coupable. Et que penses-tu, mon père, qu'il puisse arriver à ceux des tiens que tu laisses derrière toi si tes actes sont connus ? Ils ne doivent pas l'être, dit Amandil. Je vais préparer mon départ en secret et je ferai voile vers l'est, comme les navires qui partent chaque jour du port. Ensuite, comme les vents et les chances me le permettront, je ferai le tour par le sud ou par le nord, j'irai à l'ouest et je trouverai ce que je dois trouver.
Pour vous et les vôtres, mon fils, je vous conseille de prendre d'autres navires, d'y mettre tout ce que vous ne supportez pas d'abandonner, puis quand tout sera prêt, d'aller au port de Romena et de mentir en disant que vous attendez le moment de me suivre vers l'est. Amandine n'est plus si chère à notre cousin couronné qu'il souffre outre mesure de notre départ, que ce soit pour une saison ou pour de bon. Mais ne laissez pas voir que vous voulez partir nombreux, sinon il s'inquiétera à cause de la guerre qu'il prépare en secret et pour laquelle il voudra réunir la plus grande armée possible. Cherche les fidèles quand c'est toujours sincère, et s'ils veulent partir avec toi et partager tes desseins, qu'ils te rejoignent en secret. Et quels seront ces desseins ? Ne pas se mêler à la guerre et observer, répondit Amandine. Je ne peux rien dire de plus avant mon retour. Mais le plus probable, c'est que tu fuiras le pays de l'étoile sans étoile pour te guider, car cette terre est profanée. Tu perdras tous ceux que tu as aimés. Tu connaîtras la mort dans la vie. Et tu chercheras ailleurs une terre d'exil. À l'est ou à l'ouest, seuls les Valar peuvent le dire. Amandil fit ses adieux à toute sa maisonnée comme celui qui va mourir. Car il se peut bien, dit-il, que vous ne me voyiez plus jamais et que je ne pourrai vous donner aucun signe comme autrefois. Et à Rendil, mais tenez-vous toujours prêt, car la fin du monde que nous avons connu est pour bientôt. On raconte qu'Amandil partit de nuit dans un petit bateau, d'abord vers l'est, qu'il fit un grand tour et se dirigea vers l'ouest. Il prit avec lui 3 serviteurs, chers à son cœur, et jamais plus le monde n'en reçut un mot ou un signe. Aucun récit ne raconte leur sort, ni même ne l'imagine. Une telle ambassade ne pouvait pas sauver les hommes une seconde fois, et la trahison de Numénor n'était pas si facile à absoudre. Elendil fit tout ce qu'avait ordonné son père. Ses navires furent placés sur la côte est du pays. Les fidèles y firent monter leurs femmes, leurs enfants, leurs biens de valeur et beaucoup de marchandises. Il y avait là nombre d'objets très beaux et de grands pouvoirs, tels que les avaient produits les Numénoréens au jour de leur sagesse, des coupes, des bijoux et des rouleaux où le savoir était inscrit en lettres rouges et noires. Il y avait les 7 pierres, le don des Eldar et le navire d'Isildur portait l'arbre encore jeune, le rejeton du beau Nimloth. Elendil s'éteint prêt et ne se mêla en rien aux entreprises malfaisantes de l'époque, attendant chaque jour un signe qui ne venait pas. Il se rendit secrètement sur la rive ouest et regarda vers la mer, plein de chagrin et de nostalgie, car il aimait beaucoup son père. Mais il ne vit que les flottes d'Ar-Pharazôn qui se rassemblaient dans les ports. Autrefois dans l'île de Numénor, le temps était toujours accordé aux goûts et aux besoins des hommes. La pluie tombait en saison et en bonne mesure, le soleil était tantôt plus ou moins chaud, s'accordant au vent de la mer. Quand c'était vent d'ouest, on croyait l'air empli d'un parfum fugace, mais si doux que le cœur frémissait, comme celui des fleurs éternellement épanouies dans les prés immortels et qui n'auraient pas de nom sur les rives mortelles. Mais tout avait changé. Le ciel était plus sombre. On voyait venir des tempêtes de pluie et de grêle, de vents violents, et parfois un des grands navires sombrait. Il ne rentrait pas au port, alors qu'on n'avait pas connu de telles pertes depuis l'apparition de l'étoile. Il arrivait qu'au soir, un grand nuage vint de l'ouest, sous la forme d'un aigle, pour cacher le soleil couchant. Et c'était une nuit noire qui s'abattait sur Numénor. Quelques-uns de ces aigles portaient la foudre sous leurs ailes, et le tonnerre résonnait entre le nuage et l'océan. Les hommes avaient peur. « Prenez garde à l'aigle des seigneurs de l'ouest » criait-il. « Les aigles de Manwë arrivent à Numénor !» Et ils tombaient face contre terre.
Quelques-uns étaient pris de remords. Pour un moment, les autres endurcissaient leur cœur et levaient le poing vers le ciel en disant « Les seigneurs de l'Ouest complotent contre nous. Ils attaquent les premiers. Nous porterons le prochain coup. » Le roi lui-même prononça ces paroles, mais Sauron les inspira. La foudre devenait plus forte, et il tuait des hommes sur les montagnes, dans les champs, dans les rues de la ville, et un éclair violent toucha le coupole du temple, la brisa, et elle fut couronnée de flammes. Mais le temple ne fut pas ébranlé, et Sauron monta tout en haut pour défier le tonnerre. Il ne fut pas touché, et dans l'instant les hommes le prirent pour un dieu et firent tout ce qu'ils voulaient. Et quand vint le dernier présage, ils n'y prirent pas garde. La terre trembla sous eux et on entendit comme un tonnerre souterrain se mêler au rugissement de la mer. De la fumée sortie du sommet, Dumenel Tarma, Mehar Faradson, ne fit que hâter ses armements. Les flottes des Numénoréens noircissaient la mer à l'ouest du pays. On aurait dit un archipel fait de milliers d'îles. Leur mât était comme la forêt qui couvre la montagne, leur voile comme un nuage gonflé de menaces, et leur bannière était noire et or. On n'attendait plus qu'un mot d'Ar-Pharazôn. Sauron se retira au plus secret du temple, et les hommes lui apportèrent des victimes pour qu'ils fussent brûlés. Alors les aigles des seigneurs de l'Ouest arrivèrent du couchant, rangés comme pour la bataille, sur une ligne dont la fin se perdait à l'horizon, et leurs ailes s'élargirent jusqu'à embraser le ciel. Derrière eux, l'Ouest était comme un incendie, et ils en étaient illuminés comme par le feu d'une grande colère. Numénor tout entière fut baignée de lumière rouge, et quand les hommes voyaient le visage de leurs semblables, ils leur semblaient empourprés par la rage. Ar-Pharazôn rassembla ses esprits et embarqua sur le grand Alcarondas, le château des mers. Ses mâts étaient nombreux, ses rames innombrables. Ses couleurs d'or et de nuit, et le trône du roi y fut monté. Ar-Pharazôn revêtit son costume d'apparat, ceignit sa couronne. Il donna le signal du lever des ancres et les trompettes de Numénor éclipsèrent le tonnerre. Les flottes de Numénor avancèrent donc vers la menace qui était à l'ouest. Il y avait peu de vent, mais ils avaient des rames et quantité d'esclaves robustes qui s'échinaient sous le fouet. Le soleil se coucha, un grand silence pesa, la nuit tomba sur l'île et la mer ne bougea plus. Le monde attendait ce qui allait se passer. Les navires disparurent lentement à la vue des guetteurs dans les ports, leurs feux s'amoindrirent dans le lointain et la nuit les engloutit. Au matin, on ne le voyait plus, car un vent d'est s'était levé, qui les avait emportés. Ils avaient outrepassé l'interdit des Valar. Ils s'avançaient sur les mers défendues pour livrer bataille aux immortels et leur arracher le secret de la vie éternelle à l'intérieur des cercles du monde. Quand la flotte d'Ar-Pharazôn surgit du large pour encercler Avalon et l'île d'Eressëa, les Eldar prirent le deuil. Le nuage des Numénoréens leur cachait le soleil couchant. Puis la flotte arriva en vue d'Aman, le royaume bienheureux, et s'approcha des côtes suspendues à un fil. Ar-Pharazôn hésita et faillit faire demi-tour. Le cœur lui manqua en voyant les plages muettes et le Taniketil qui brillait plus blanc que la neige, plus froid que la mort, silencieux, inébranlable, terrible comme l'ombre de la lumière d'Iluvatar. Mais l'orgueil était devenu son maître. Il débarqua du navire et arpenta la grève et affirma que ce pays était sien si nul ne s'y opposait par la guerre. Les Numénoréens campèrent toutes armées autour de Tuna, d'où tous les Eldar s'étaient enfouis. De la montagne,
Manwë fit appel à Ilúvatar et les Valar à ce moment lâchèrent les rênes d'Arda. Ilúvatar déploya sa puissance et changea d'un seul coup la forme du monde. Un gouffre s'ouvrit dans la mer entre Numénor et le pays immortel, où l'océan se précipita. Les vapeurs et le bruit de cette cataracte montèrent jusqu'au ciel et le monde en fut ébranlé. Tous les navires de Numénor furent aspirés par le gouffre où ils sombrèrent et furent à jamais engloutis. Le roi et les guerriers mortels qui avaient mis le pied sur Aman furent enfouis sous la chute des montagnes et on dit qu'ils sont enfermés dans les cavernes de l'oubli où ils resteront jusqu'à l'ultime bataille au jour du jugement. Le pays d'Aman et l'île d'Erecea furent déplacés et mis à jamais hors d'atteinte des humains. Andor, le pays de l'offrande, Numénor des rois, Helena de l'étoile des Erendil, fut complètement détruite. Elle se trouvait à l'est, tout près du gouffre. Ses fondations furent brisées, elle se renversa et sombra dans la nuit, et elle n'exista plus. Et la terre ne connaît maintenant aucun endroit où subsisterait le souvenir d'une époque d'où le mal eût été absent. Car Ilúvatar rejeta les grandes mers à l'ouest des terres du milieu, à l'est les terres désertes. Il fit de nouvelles terres et de nouveaux océans, et le monde en resta diminué, puisque Valinor et Erecea furent emportés au royaume des choses cachées. Le destin s'abattit par surprise sur les humains le 39e jour après le départ de la flotte. Des flammes jaillirent soudain de Meneltarma. Un grand vent s'éleva en même temps qu'un vacarme venu de la terre. Le ciel bascula et les montagnes se renversèrent. Numénor s'enfonça dans la mer avec ses femmes, ses enfants, ses jeunes filles et ses fières dames, avec ses jardins, ses palais et ses tours, ses tombes et ses richesses. Tous les joyaux, toutes les étoffes et les peintures, les ciselures, le rire et la gaieté, le savoir et l'histoire, tout disparut à jamais. À la fin, une vague haute comme une montagne, verte et glacée, empanachée d'écume, vint recouvrir la terre et prendre en son sein Tarmériel, la reine plus pure que l'argent, l'ivoire ou les perles. Elle voulut trop tard escalader les pentes du lieu sacré sur le Meneltarma. Les eaux l'emportèrent, et son cri se perdit dans les hurlements du vent. Amandil parvint-il à Valinor? Manwë écouta-t-il ses prières? En tout cas, les Valar épargnèrent à Elendil, à ses fils et à son peuple le sort de Numénor. Elendil était resté à Roména, ignorant les ordres du roi qui partait pour la guerre. Il avait pu éviter les soldats de Sauron qui étaient venus le prendre pour le traîner sur l'autel du temple et gagner son navire pour y attendre son heure. L'île le protégea du Maelstrom qui aspirait tout dans les abîmes et des premiers assauts de la tempête. Quand la vague immense et dévorante écrasa le pays et que Numénor s'enfonça sous les eaux, il crut sombrer lui aussi et eût préféré périr que contempler ce jour de deuil et d'agonie. Car nul mort ne pouvait être si cruel. Mais l'ouragan le prit. Un vent qui venait de l'ouest en hurlant avec une sauvagerie inconnue des humains, il emporta ses navires au loin, arrachant les voiles et brisant les mâts, projetant les malheureux marins sur les vagues comme des fétus de paille. Il y avait 9 navires, 4 pour Elendil, 3 pour Isildur et 2 pour Anarion. La sombre tempête les chassa dans les ténèbres du monde, loin du crépuscule d'année. Sous eux, l'abîme se convulsait de colère. Des vagues comme des montagnes encrêtées de neige les projetaient dans les nuages, les chicotaient avant de les jeter beaucoup plus tard dans les rives des terres du milieu. Tous les rivages et les régions côtières du monde occidental souffrirent à cette époque de grands dommages, en furent transformés. Car les mers envahirent la terre, des côtes s'effondrèrent, des îles furent englouties et d'autres émergèrent, des montagnes croulèrent et le cours des fleuves fut étrangement dévié.
Thank you.
1h du matin et 40 secondes sur Radio Campus. Cette émission, cet épisode de l'émission Écho dans la nuit se termine. Vous pouvez laisser des commentaires et des suggestions de lecture avec lien et référence sur la page Facebook de l'émission en tapant dans le champ de recherche de Facebook Écho dans la nuit au pluriel. Et ensuite, par ailleurs, vous pouvez écouter les enregistrements de direct de cette émission depuis le mois d'août de l'année passée sur YouTube en tapant Écho dans la nuit, également au pluriel. Cette émission prend un congé pour Pâques, et donc la prochaine émission aura lieu dans 3 semaines, à savoir la nuit du 26 au 27 avril. Donc il n'y aura pas d'émission Écho dans la nuit dimanche prochain, ni le 19 avril. Je vous souhaite donc une très joyeuse fête de Pâques dans la joie du Christ ressuscité. Une très très belle semaine et de faire de beaux rêves. À bientôt.